Donc on a fait évoluer le business model de CNSI en 2022 dans un contexte économique difficile, comme on le sait. On a traversé une crise économique et donc où les entreprises B2C ont eu plus de mal. Et à ce moment-là, on a rééquilibré le modèle entre une commission côté vendeur et côté acheteur. Ça nous semblait avoir du sens. Et on a aussi mis des efforts sur le B2B. Donc c'est une offre qu'on a créée pour les hôtels, les restaurants, les bureaux qui cherchent de plus en plus à se meubler avec de la seconde main. Et donc là-dessus, CNSI avait un vrai service.